Yo, bonjour tout le monde. Il est temps également d'aller prendre un envol rafraîchissant sur le petit compte. Donc on va aller farmer un peu les défis histoire de monter évidemment le compte ArcX Free to Play. Donc on essaie de monter un maximum. C'est parti pour un peu d'envol rafraîchissant. Il ne reste plus que 5 parties à faire. On a fait déjà une petite première partie qui s'est rondement bien passée. Oh, on est sur le triple lézard, ok. Donc on me laisse fond map first hein. On va pas se poser de questions. D'accord, ok. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai envie de réussir à faire collecter mon électro-dragon sur son électro-dragon. Parce que c'est possible. C'est peut-être possible. Ouais, c'est pas mal ça. Allez, électro-dragon, l'AMG, vous le tuez. Vous le tuez. Si vous le tuez, c'est gagné. Si vous le tuez, tout se passera bien. Vous aurez une vie merveilleuse. On revoit un molosse histoire de dire bah voilà, nous on envoie des cartes quand on joue quoi. Hein, fait semblant. On envoie, on envoie, on envoie. On va zap ça. On va zap, salut. Ok. Ah, juste mettre un peu le son du jeu. Vous déconnez quoi? Sinon vous m'enlèvez même pas, ils sont du jeu, sont du jeu, sont du jeu. Ok. Alors, on doit remettre un électro-dragon histoire de dire, voilà. Là pour l'instant, vous voyez, on pratique un niveau de jeu extraordinaire. C'est-à-dire qu'on pose nos troupes, et dès qu'on a de l'élixir, on repose nos troupes. Et après, une fois qu'on a l'élixir, enfin voilà, vous avez compris l'idée. Et ben voilà, ça se passe bien. Oh là là, mais quel niveau de jeu. Oh là là, poser tous nos troupes à droite, c'était pas facile. C'était clairement pas facile. Voilà, j'espère que vous avez apprécié évidemment ce talent de poser toutes les troupes à droite. Alors, un petit coffre. Ah, oh, presque Dark X, mais ça ressemble plutôt à un géant squelette. Alors, on a quoi là? Ah, on a la version clone. Clone Inrag, d'accord. Bon, on va recycler, hein, parce que... J'ai pas envie d'avoir l'autre s'il a molosse, pas moi, c'est triste, voilà, c'est chagrin. Mais il est où le molosse? Il est où le molosse? Pourquoi il y a pas de molosse là? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, on va partir avec la station. Ah mais il est enfin là le molosse, ah, d'accord. Bon, comme ça. Bon, elle est ratée, mais c'est pas grave. Oh, on a récupéré notre molosse, claque foison, c'est parfait, on est parti. On se permet de le poser à cette d'élixir parce que. Bon, voilà, de toute façon, on aura largement le temps de récupérer des troupes de support. C'est bon, on a passé la première partie compliquée de pas avoir notre molosse en main et on peut enfin faire des trucs. Ok. Alors, il n'y a plus de poison en main, donc nous on se permet de faire ça, c'est sympa. Ok, les bats, elles sont un peu relou. C'est pas sympa ça. Ok. Alors, il y a sa horde, la horde elle va nous embêter. Alors, voilà, il la pose hein, évidemment. Quel gros vilain. Allez, boule de neige, c'est parfait. Oh, il poison en plus, parfait, nickel, nickel, nickel. Petit overcommit de la part de l'adversaire, on est reparti. Donc, il n'y a plus de poison, on va essayer de faire le plus beau clone de notre vie. Là, on va cloner, mais comme des grands malades, hein. Je peux vous assurer, ça va cloner dans tous les sens. On va Hydrag. On va Fling Machine avec le reste. On clone là-dessus, on protège. Protège notre machine volante clonée. Cette fois-ci, on l'a fait bien gaffe. Elle est déjà arrivée à le poison. What the fuck? Mais pourquoi? Il a cliqué à plus de flèches en plus. Ah, c'est dommage. Ça aurait mieux fait de pas le faire, ça. Ça aurait été mieux de pas le faire. Je te le dis. Voilà, je te le dis. Allez, on découpe tout ça. Petit clone. Compliqué hein, ce matchup, hein. C'est le plus dur celui-là de toute façon, on est sur le plus dur, donc si celui-là on arrive à le gagner, normalement derrière ça devrait bien se passer, parce que vous avez vu, hein, il a toutes les réponses, il a la plus flèche, il a tout, là. Bon il a tout. Est-ce que je mets pas juste des petites gargouilles là-dessus? Si, ça me semble bien. Alors on peut recycler notre flying machine, on peut repartir en molosse devant, voilà, c'est parfait. Et le molosse. Alors là, il peut faire pas mal de trucs embêtants, en vrai, il drague. Enfin, ça se fiera pas. Ça se fiera pas, il prendra pas le focus. Qu'est-ce vilain c'est trois secondes. Donc il a cliqué le poison, ok. On va quand même mettre une horde, même s'il a plus de flèches. Hein. De toute façon il a des options pour tout, hein. Voilà, il a plus de flèches, il a tout, il a absolument tout. Ce matchup c'est le pire. Hein. Encore une fois, celui-là, on est sur le hard counter. Si ça passe, on est bien, mais ça va être tendu. Hein. On va pas se mentir. On va devoir défendre quand même, je pense. Ça par contre c'est une erreur de sa part, tant mieux. Ah nous on va envoyer un molosse cash. Puis ça va bien se passer. Parce qu'en fait il reste plus beaucoup de points de vie chez lui en fait. Simplement. Là il va falloir mettre ça, mais moi je peux le boucler. J'étais sûr qu'il y ait une ferme là-dessus. C'était sûr. Le truc c'est que moi si j'arrive juste à connecter mon molosse, et là je peux le cloner en plus.
Voilà, là ça va suffire. Ça va faire quelques dégâts. Et normalement, derrière, il y a soit les roquets qui vont finir, soit j'ai ma foudre. Et voilà! Et voilà! Et ça se passe bien! Mais ce match-up, il est dur. C'était vraiment le pire. Je me souviens, la dernière fois qu'on l'avait fait, c'était le seul qu'on avait perdu ce match-up. Et ça fait plaisir d'avoir gagné. On est reparti. Let's go. Alors. Stabilo Bag Bulls. Ah, mais je vais même pas faire gaffe à la version qu'on avait. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est Infernal, hein, même si j'aurais dû le garder plutôt pour. Ah, je veux mon molosse! Il est où le molosse? Donnez-moi le molosse! Donnez-moi le molosse! Mais non, c'est sérieux ça? J'ai rien! Moi, ça, j'ai rien. Ok. Bon, on a enfin le molosse, c'est bon, on a récupéré. Ah, bah voilà, enfin, enfin, tout se passe mieux. Mais la clé qui a la pluie de flèche, alors je me permets d'être une hand cache qui va lui faire très très mal. Là, ça va être compliqué pour lui, il va devoir remettre sa pluie de flèche de nouveau. Mais ouais, il a dû la cycle, voilà, c'est ça, c'est exactement ça qui s'est passé, mais du coup, là, il a plus rien, donc on peut se farmer. On peut se farmer à mort. Il a cliqué zap. Donc il a que zap et plus de flèche en sort. Hein. Donc là, normalement, on est bien. Là, on devrait prendre la torée. On a une double machine volante dessus. Voilà, 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 voilà. Simplement. Simplement, la petite double machine volante. E-Rocket, ça veut dire qu'on a un avantage en XR. Donc on peut repartir fond de map molosse. Là, là, voilà. On est plus que bien. Alors ça serait bien de lui faire claquer de nouveau la plus de flèche. Alors on va juste taper l'Infernal ici. Là, on va battre derrière. Comme ça, on va se récupérer de la MG. Ah, il va falloir c'est la vente. On t'aurait pas dû. T'aurais pas du moins mis. Clique la plus de flèche là-dessus, s'il te plaît. Plus de flèche. Ah, bah il a raté. Il l'a mis là-bas. Mais non, on fallait la mettre sur le reste de la troupe. Bon, bah remolosse. Alors, on va remolosse. Hein. C'est parti. Bon, Infernal, il gratte bien. Il gratte bien, Infernal. Quelqu'un de bien, Infernal. Oh là là, les dégâts quand même, il tire tout du roi également. Oh là 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 là. C'est la double torée ou pas? Est-ce que c'est la double torée? Bien sûr, la double torée qui passe. Oh là là, mais ce défi, incroyable ce défi. Bon, si vous voulez regarder du détail technique sur ce défi, j'avais préparé les 4 types de decks qu'on peut avoir sur le défi, etc. sur la vidéo précédente que j'avais fait sur ce mode de jeu. Donc il y a un mois peut-être, je vais vous remettre le lien dans la description. Mais voilà, si vous voulez trahir la mort, vous pouvez avoir les différents archétypes, il y en a 4 au total qui sont possibles. Molosse cloné avec avec l'électro-dragon. Ok, oulala, oulala. Y'a pas le temps. Est-ce qu'il y a plus de flèche dans son deck? On va voir ça tout de suite. Suffira pas, suffira pas mon ami. Ça, c'est défendu. Ah, ok. Bon bah c'est parti. Hein. Let's go. Ah, il a tué nos machines. Non, tue pas nos machines. Laisse-les en vie. Non, ok, plus de flèche en plus. Ouais, c'est pas sympa. Bah, je vais remettre ma machine vente haute parce que ça va quand même me permettre d'appuyer avec le reste de nos troupes. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, mais c'est une idée, voilà, c'est une idée, ça mérite d'être une idée. On va repartir en électro-dragon et ben molosse. Okay. Ah, il te fait ça, lui. T'intéresses plus de flèche vite, hein. Trop tard, trop tard, là, trop tard. C'est dit, c'est trop tard. Eh, tu l'as mis quand même. Ah, il a raté mon molosse. Ah non, c'est bon, il est devant. Oui, il est devant. Quelqu'un de bien. Ok, on peut reprotéger parce qu'il va mettre les battes, etc. Oui, roquette, oh, ça coûte cher. Oh, ça coûte super cher. Oh là là. Bon bah juste cloné là-dessus, boule de neige. Là il va falloir faire du contre-push, c'est ça qui m'embête. C'est pas très sympa, voilà, c'est pas très sympa, c'est dit. Mais là il a claqué tellement de fous qu'il pourra pas vraiment contre-push au final. Donc bah on peut repartir en hydrac tranquillement fond de map. Au pire il rocket, bah il rocket, on s'en fiche. On va se mentir. Hors cache, il appuie la plus flèche. Ah ça tombe. Ça tombe aussi, ça tombe aussi. Tout tombe, tout disparaît. Et bim! Et bim le clone! Et bim les doubles dragons! Ok, il est oublié de plus de flèches, c'est cool. On va essayer de recycler pour obtenir une horde de gargouilles, ça serait vraiment sympa. Genre, on la remet comme ça à gauche, parce que là, il va vouloir prendre la machine volante. Ah, juste pas attendre, mais c'est pas grave. Il re-zap, ok. On va arrêter de faire le forcing, mais là, ça lui a cliqué au peu près autant de tirs que. Ouh là là, ça lui coûte cher. Très cher tout ça. Ok. On va repartir en hydrag à droite. Hein. Oh là là, la veille du drag. Oh, tu forces, mon ami, tu forces! Non, faut pas forcer comme ça. Juste la MG seule, ça te coûte cher aussi. Faut pas faire ça non plus. Et voilà. Ça, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on fait ici? Une horde. Une petite horde. C'est sympa. Et par contre, chez lui? Chez lui? La maison? Chez lui? Ah! Ah, bah les trois couronnes. Ah, c'est le mode de jeu 3 couronnes, ça. Ça, c'est pour le pass royal. C'est parfait. C'est juste parfait pour le pass royal. Vous faites pas, pas, pas. Je crois que ça compte dans le pass royal. Hein. Je suis pas sûr, mais il me semble. Il reste plus qu'un. Allez, 1500 d'or. C'est parti.
Ah, j'aurais bien dit, je suis avec poison là, pourquoi on l'a jamais? Bon, est-ce qu'on va faire un cyclé? Ah, d'accord. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi il fait ça? On se voit que j'ai pas le molosse en main, hein, sinon c'était fini. Hein. Je peux te le dire. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Alors, toi, je te bloque là. Oh là là, attends, non, tu as pas de clone là. Oh mon ami, non, non, t'as pas fait ça. Oh là là, mais non, mais pas ta machine comme ça, elle va mourir. Bon, est-ce que vous sentez le 3 couronnes là? Ouais, nous, on va utiliser une stratégie toujours très complexe de tout mettre à gauche. Et on va voir comment ça se passe. Ouais, bon, bah, ça se passe plutôt pas trop mal. Hein. Alors, ça serait bien de récupérer un autre dragon, parce que là, on a peut-être plus assez de dragons sur le terrain. Ok, il vient de clone, on est pas mal, on a de chance, on a de chance. Est-ce qu'on va le faire ici? Est-ce que ça va bien se passer? On rajoute le zap. Ah, on n'a pas le temps. Incroyable, incroyable, ce défi, ce défi. Ah. Et alors, c'était sympa. Hein. C'est sympa comme tout. Oh. Et on pourra peut-être avoir de Arkix ici. Et on a petit squelette. Oh, c'est parfait. Et les trucs à strike, c'est vraiment ce qu'on veut. Alors, Arkix. 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 Ok, très bien, merci, merci, merci le jeu vidéo. Heureusement, on a des squelettes, hein, parce que sinon, c'est vraiment un gros chagrin. Bon, j'espère évidemment que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire, bah voilà ce que vous en avez pensé, vos propres scores dans le défi. C'est un défi magnifique qu'on a pu torcher en, allez, 10 minutes de vidéo, je crois. Excellente journée à tous.